Zone TV. Toujours chez ActiFoot, on va toujours rester dans le championnat anglais. Match bi opposé won Liverpool avec Brighton. Nga xamné aussi c'était à Anfield. Plus de peur que de mal, mais quand même les gens ont eu peur parce que surtout les fans de Liverpool. Parce que Liverpool cette année, on se dit vraiment si est-ce que ça marche, est-ce que ça marchera pour eux. Parce que jusqu'à présent, on pense que la machine n'a pas encore pris de l'allumage. Parce que match bobu bimu commencé Liverpool nga xamné daw il était presque dans les deux premiers qui équipe yu gënon fess ci championnat anglais cette année. On a vu une équipe de Brighton match bimu commencé ñom ñoo ñëk duggal d'ailleurs ñoo ñëk duggal premier but encore doli wat ci deuxième but. Et tout le monde avait eu peur parce que quand même c'était ça devait être une vraie humiliation ñeu ba ci Liverpool dans leur terrain à Anfield. Dougal le début dans les 30 premières minutes. C'est dur que cette année, vraiment, ça ne marche pas encore pour Liverpool. Bon, heureusement pour Liverpool, vers la fin, ils ont eu quand même à égaliser. Surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que Firmino, il est en forme. Hein? Il est en forme parce que Momo a fait le doublé. Momo a fait le doublé avant que Kidi augmente le troisième but, Luis Diaz. Mais tout ça aussi, ça n'a rien servi parce que nous avons demain pour égaliser les deux premiers buts. Après, Diaz, nous avons le troisième but, nous n'avons que 3-2. Mais juste à la fin du match, là encore, Brighton, encore, nous avons encore un troisième but. Nous n'avons encore un but de KO pour les fans de Liverpool. C'est une vraie humiliation. Nous avons amené Liverpool sur leur propre terrain. Et devant leurs supporters. Actuellement, ils n'arrivent pas du tout à convaincre les supporters. Et je pense que Libre continue et ça veut dire que les jours de Klopp sont comptés. Toujours, dans l'actualité foot, nous sommes toujours en Angleterre. Match bidon am aujourd'hui entre Crystal Palace et Chelsea. Les Blues se rendaient aujourd'hui au Selhurst Park pour cette première victoire sous l'ère Graham Potter. Nga xamne moy entraîneur bu jogé Brighton mo nekkon entraîneur Brighton ñeu remplacer Thomas Tuchel fofu ci Chelsea. Match bi nak c'est finalement soldé par un score de 2-1 en faveur de Chelsea. Chelsea nak actuellement mu ngi jëm remonter dank et que le nouveau coach était un coach bo xamne aussi il vient pas très longtemps d'être entraîneur chef à Stamford Bridge. Chelsea a remporté 10 matchs consécutifs contre les Aigles, mais Potter, 47 ans, mom musul gagner équipe, musul gagner Chelsea bim nekké coach. Donc nak tay il va faire un défi de voir s'il peut redresser la barre. Néna nak mom entraîneur Chelsea nek il ne se fait aucune illusion sur le défi qui l'attend pour surtout Dadja Crystal Palace, nga xamné il a été impressionné par le travail de Patrick Vieira. Néna Patrick Vieira mon Potter moy le coach Graham Potter moy le coach de Chelsea. Néna Vieira a fait un travail fantastique et je pense qu'il a construit sur les fondations que Roy a posées en termes de structure défensive. Néna mom liko gëna impressionné c'est que Vieira dafa ñeu Crystal Palace dans tous les secteurs mu ñeu vraiment tabax fa lu deuguer. Surtout en termes de structure défensive. Néna aussi, pas seulement défense, mais aussi sur le plan offensif. Mom Vieira dem na ba jëli ay yenn joueur yo xamné joueur yu bax, joueur offensif. Bo xolé ay Zaha wala nga xol Ayou doomu Abedi Pelé, ñoñu c'est des joueurs yo xamné vraiment ñu ngi indi apport offensif bu bax pour Crystal Palace ak des joueurs comme Doucouré. Donc néna en dehors du milieu offensif aussi, il a eu à créer vraiment des défenseurs centraux yo xamné yu bax xamné ñu ngi taxaw ci défense bi difa ligué bu rafet. Néna motax nak il sera difficile à affronter une équipe bien organisée, bon esprit. Néna lolu moy le Vieira vraiment touche bo xamné Vieira def ko indi ci bir Crystal Palace. Notons simplement que Chelsea comme luñ doon wax rek xam ba départ aussi Thomas Tuchel il a été victime. Mom bimu nekké fofu Chelsea da amulone équipe bu deuguer, amulone attaque bu deuguer. Même féké défense bi baxone, il y avait un problème de milieu mais aussi en même temps l'attaque n'était pas
À part Sterling, il n'y avait pas vraiment quelqu'un Bohamni qui faisait faire la différence. Mais Legui, avec l'arrivée de Aubameyang, d'ailleurs, qui a marqué un très joli but, un retourné très joli, vraiment. Aubameyang, Legui, Barcelone, man, je l'avais signalé que vraiment ça augure de bonnes choses pour Chelsea. Parce que Aubameyang, quoi qu'on dit, quoi qu'on peut le reprocher, c'est un buteur. Moi, c'est un bon avant-centre. Et il badine pas. Bon, mais occasion, il des doubles. Donc, moi, je pense que Rennes aussi, moi, je appelé carrément Chelsea pour nous gagner vraiment avancer sur ce match bini. Légui suñu jogé fofu aussi ñu dem Allemagne où il y avait RB Leipzig aussi bu Abdou Diallo. Bon, ñom ñoo doon dajé ak Bochum. Finalement le score s'est soldé par un score de 4-0. Vraiment et aussi match bi ça prouve que la domination nette de Leipzig comme aussi c'est une bonne équipe et surtout avec l'apport vraiment déterminant du jeune français Nkunku. Nga xamné Nkunku mo ñëk duggal fofu le penalty. Après encore raté benen penalty bi parce que tiré nafa ñaari penalty raté premier marqué premier penalty raté deuxième penalty et encore Google un but personnel. Donc c'est dire que vraiment ça a été aussi un match actif vraiment qui était vraiment plaisant à voir. Donc voilà, donc après Bayern de Sadio Mané, il y a aussi le Leipzig de Abdou Diallo aussi lui commencer dit yëkëti ndank dit yëkëti ndank ça compte sur le championnat allemand. Waaw, toujours ci actu foot ñu dem fele ci Liverpool. Ñu wax ne bon ci xibaar mooy Mohamed Salah mu ngi conseiller son club Liverpool pour mu recruter un benn joueur bu nekk en Égypte, celui qu'il appelle le nouveau Sadio Mané. Moo tax nak ci yenn xibaar yi ñu ne Mohamed Salah vraiment Sadio Mané manqué na ko lool, parce que bi mu demee ba léegi vraiment il n'arrive pas à se retrouver dans l'attaque de Liverpool. Mom Mohamed Salah. Nenañu c'est vrai que Liverpool indi na yeneen joueur pour ñu remplacer Sadio Mané. Dañoo recruter Darwin Núñez nga xam ne kooku aussi dañu fognoon bu ñëwee dina tax ñu fàtte Sadio Mané. Aussi indi woon nañu Luis Diaz. Ñooñu yëpp nga xam ne rendement bi ñu indi pour l'instant ils n'ont pas encore atteint le seuil nga xam ne rendement boobu la Sadio Mané doon indi ci biir Liverpool. Moo tax nag Salah moom mu ngi proposé benn pépite boo xam ne pépite égyptien la bu tudd Ibrahim Adel bi nag moom mooy ailier la, ailier boo xam ne pépite la te c' est un ailier aussi très promoteur nga xam ne mu ngi joué ci Pyramide FC. Nee nañu nag kooku vraiment Mohamed Salah mu ngi insister bu baax a baax pour waa Liverpool jënd ko, parce que nee nañu moom son système de jeu dafa nuroo bu baax ak système de jeu de Sadio Mané. Non seulement ailier la mais aussi vivacité ak rapidité ak aussi technicité bi yëpp bi nekk si Sadio Mané. Nee na joueur boobu moom Salah nee na c' est le Sadio Mané bis de l'Égypte, donc mu ngi conseiller bu baax a baax c'est son club mooy Liverpool pour ñu jënd joueur bi mun ko indi à Liverpool mu mun leen jàppale ci attaque bi. Tey nag ñu dem tuuti ci dëkk buñ naan Côte d'Ivoire aussi indi xibaar boo xam ne seen ministre des Sports moo ko wax. Nee na Côte d'Ivoire bu fekkoon normalement entraîneur bu mel ne Carlo Ancelotti moo leen yoroon non seulement dinañu dem Coupe du Monde mais mun nañu aussi yóbbu Coupe d'Afrique. Nee na nag ñoom daf leen métti lool. Mooy élimination bi leen Cameroun éliminé, nga xam ne Cameroun moo leen éliminé ci phase de groupe éliminatoire Coupe du Monde. Cameroun moo leen éliminé. Nee na nag loolu ñoom vraiment buggoon nañu am entraîneur bu mel ne Ancelotti, nga xam ne il a un bon bilan, nga nekk aussi mu nekk aussi un coach boo xam ne qui a de l' expérience. Nee na amoon na jamono boo xam ne Ancelotti moom ci boppam buggoon na entraîner Côte d'Ivoire. Malheureusement, il est parti au Real de Madrid. Nee na nag bu fekkee entraîneur Real de Madrid actuel bi bu fekkee moom paree na ak Real de Madrid que contrat am jeex na foofu, la Côte d'Ivoire est ouverte pour accueillir ko mu ñëw nekk seen coach. Parce que gëm na ne vraiment entraîneur bu mel ne Ancelotti bu yoree équipe bu mel ne Côte d'Ivoire nga xam ne bari na léegi ay pépites ñoom dinañ mun a sori ci non seulement ci Coupe du Monde mais aussi
Coupe du Monde bi di ñëw, Coupe d'Afrique bi di ñëw, bi ñu wara organiser en Côte d'Ivoire en 2024, 2023 lañ ko waroon organiser, légui reporté nañ ko ba 2024. Aw toujours ci Active Foot ñu dem ci France pour aussi joxé xibar moy concernant le futur vainqueur du Ballon d'Or 2022. Lool nak xibar bobu ça aurait été fuité selon certaines sources. Mais nak amna média yo xamné nenañu aussi lolu ay wax la rek. C'est que luñu xam rek moy ce qui est certain c'est que Benzema mom il sera le vainqueur du Ballon d'Or. Mais ñi ci dess amuguñu amuguñ ci lu ci lèr parce que fuite bobu c'est pas encore vérifié. Mais nenañu ci fuite bobu toujours d'après yenn rumeur yi nenañu après Karim Benzema, il y a Sadio Mané qui est prévu comme en deuxième position. Et en troisième position, il y a Mo Salah. Et maintenant, après Mo Salah, en quatrième position, il y a Vinicius Junior. Internet yu bari dañu xawa contesté rang bobu. Pour ñom, Vinicius Junior peut-être que warul won nek quatrième position. Dafa waron nek ci dans le trio. Ndax c'est nenañu Junior. Vinicius Junior, pour mon nek 4e au Ballon d'Or, 4e rang, qui rend position, en 4e position, nek ci Ballon d'Or, c'est un scandale. Internet, yu bari nek ci Twitter, dañu réagir ci lolu. Nga xamné ñooñu aussi, surtout, c'est des gens, yo xamné, sont des fans du Brésilien. Nenañu, Vinicius Junior a inscrit 22 buts, ak ben but bo xamné, but bo motax Real de Madrid gagné. Ligue des Champions bi face à Liverpool juin passé. Nenañu aussi Vinicius Junior dafa délivrer 20 passes décisives ci 52 matchs toutes compétitions confondues. Nenañ nak stade yoy vraiment warna ko mëna placer vraiment ci trio bi moy les trois premiers ñu wara mériter Ballon d'Or bi. Après Benzema normalement il y a Sadio Mané, il y a Mohamed Salah. Légui nak ñun suñu question moy ñom buñu indé Vinicius Junior fofu kan lañ fay indi, kan lañ fay dindi, est-ce que Sadio Mané lañ fay dindi wala est-ce que Mo Salah lañ fay dindi, est-ce que aussi mom Vinicius Junior il mérite plus que Sadio Mané wala Mo Salah? Donc voilà la question. Toujours ñi dess ci Angleterre dans le championnat anglais pour aussi joxe xibar moy le match qui opposait Sheffield de Illiman Diaye contre Birmingham. Donc Sheffield mo don recevoir Birmingham. Et en tout cas, ils se sont séparés par un score de 1 but partout. Donc, il y a un match nul. Match bobu entre Birmingham et Sheffield bu Illiman Diaye. Donc, c'est soldé par 1 but partout. Toujours qui Active Foot, nous avons aussi une mauvaise nouvelle pour le Bayern. Pour aussi Nagelsmann, nous avons vraiment il avait commencé à sourire. Surtout que son équipe a gagné ce samedi. Mais malheureusement, selon Mundo Deportivo, nenañu Kimmich ak Miller ont été testés positifs au coronavirus samedi bi. Xamné nak c'est un coup dur, un coup fatal pour le Bayern. Ndax te Bayern instant bi ñu ngi jëma juk di bëgg rattraper sen retard perdu. Toujours pour terminer notre tour d'horizon après xibar nga xamné mauvaise nouvelle pour le Bayern puisque leurs deux joueurs ont été testés positifs au coronavirus, mu nek Miller ak Kimmich, et que ils sont actuellement isolés du groupe. Mais autre mauvaise nouvelle, moi aussi, c'est au niveau de Liverpool, pour aussi Klopp. Et en tout cas, ce qu'on doit dire, c'est que Klopp, instant bi, mom, sous moi tout, dañ koy dakh Liverpool. Parce que, en tout cas, les gens se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, des fans de Liverpool, leurs supporters. Nenañu vraiment beaucoup tenu gis. Klopp moy entraîner muy nek entraîneur Liverpool dafa wara jogé dem nenañu il a fait son temps nek à partir parce que instant bi ñom ñu ngi ci 9e position ñom Liverpool ñu ngi ci 9e position ci championnat Angleterre et presque sur 7 matchs joués légui nak tay aussi ci sen bir terrain lañu rencontrer Brighton sax mo ñëk duggal dans les 30 premières minutes Brighton mo ñëk duggal 2 buts après ci lañu mujjé rattraper grâce à Firmino et aussi le troisième but par Salah, par Diaz. Donc c'est pour dire que vraiment l'équipe de Liverpool ne répond plus. Hein. Et aussi on voit un certain Mo Salah actuellement qui est en panne de but. Donc réseaux sociaux, les gars ont enchaîné des lights dans le départ de Klopp. Ils disent que le Klopp a fait son temps, il n'a qu'à partir.
Le sentimentalisme finira par mener Klopp à sa perte. Klopp va vraiment se faire virer avant la fin de saison. Donc, nous sommes nous cassons les réseaux sociaux. Si Klopp était coach de Chelsea, il aurait été viré. Merci pour tout, Klopp. Mais c'est l'heure de quitter le navire. Donc, tu vois, lolu, ça prouve que vraiment, gars, beaucoup de nous, Klopp, légui, si club. C'est dire simplement que Klopp aussi, ah, Sadio Mané, m'a fait, parce que il faut faire tout possible pour combattre Sadio Mané en sourdine. Du coup, qui souffre pour nous joguer fof, pour nous joguer Liverpool. Parce qu'il voulait recruter Diaz, il a recruté Diaz, après recruter Darwin Núñez. Donc tout ça s'est répercuté sur son dos. Aujourd'hui, son équipe est en panne de victoire. Donc c'est dire que même ses jours sont comptés, bien sûr, à Liverpool. Toujours tu actif foot, nous sommes folles à Barcelone. Luis Suarez. Nous avons aussi c'était un attaquant du FC Barcelone, mon équipe uruguayen. Mon petit bopam, Johanna Ben interview, Ben journal Boutou de Marca. Et il parlait de sa carrière au niveau du Barcelone. Mais Fofu, Bimouni Barcelone, bon, il a été noté à peu près à 12. Néna 12 parce que mon Bimouni Barcelone, quand même, Gaï Amounion espère trop, tu m'en quoi. Parce que tant Bimouni Fofu, de fait que Fofu, non seulement Messi, mais de fait que Fofu aussi Neymar. Néna nak amnu ñu bari nak dañu paré won ñu ah vraiment est-ce que lolu mëna nek trois stars yo xamné bokku ci ben club est-ce que ñoñu trois stars yeb dinañ mëna briller est-ce que lolu dina marcher néna yalla baxna mais quand même ça a vraiment bien marché digante mom ak Messi ak Neymar c'était vraiment un trio de feu néna vraiment ils ont fait que le Barcelone nek na presque le club de ñom sen passage fofu Barcelone Tahna Barcelone nek le club ñu nek génération de l'histoire du Barcelone nga xamné ñom ils ont marqué sen empreinte fofu ci histoire Barcelone néna surtout aussi mom c'est vrai qu'à la fin à la fin il a quand même diminué néna performance am dafa wañé vers la fin mais parce qu'il prenait de l'âge et puis aussi bo nekké ci sa dernière carrière si dernier passage de sa carrière, c'est normal que Ngaï commencé sa performance de commencer à gagner. Mais malgré tout, quand même, il marquait plus de 20 buts. En fin de carrière, ce niveau de baisser. Mais Mom, il a toujours quand même, malgré Lolo, il a toujours marqué plus de 25 buts par saison. Toujours, nous commençons sur nous Active Foot par l'organisation de la Coupe d'Afrique en 2025. Ci xibaar bi ñu jot c'est que le président de la Confédération africaine de football MOSEP mooy le sud-africain neena ñoom nangu nañu organisation bi ci loxo Guinée je pense que loolu ñun on l'avait dit il y a presque 2 mois waxoon nañ ko fi ci benn vidéo comme quoi que la Guinée n'était pas prête parce que Guinée déjà bu nekk ci régime militaire c'était des militaires qui sont là-bas. Mais en même temps aussi, la Guinée, sur le plan des infrastructures, la Guinée n'était pas prête. Parce que l'organisation CAN, pour organiser, il faut un Italie Yuba, il faut un Estad Yuba, il faut vraiment toutes les infrastructures. Même du côté courant, ça, je pense que la Guinée n'était pas prête. Donc, nous, la CAF, peut-être qu'ils ont bien vu que la Guinée n'était pas prête. Et nous, on l'avait signalé pour me interpeller ça, Matarba, en ce moment, pour voir quoi. Que Sénégal warna quand même le Sénégal devait être prêt pour soumettre sa candidature parce que la Guinée est loin de être très proche de nous. Ce fait que Guinée mounoul dem rek Sénégal mouna récupérer. Surtout que le Sénégal aussi a construit actuellement un bon stade. Amna stade Ladjor qui est là. Mounon nañu aussi construire peut-être avant 2025 ben stade à Saint-Louis, à Mbour et à Chiguinchor. Et aussi aujourd'hui avec le terre donc entre Mbour et Dakar ou bien entre Dakar actuellement, et chess, tout ça peut se devenir très facile. Donc, nous, je pense qu'on l'avait vu que la Guinée n'était pas prête. Mais ce qui est bizarre, c'est que d'après les déclarations du président de la Confédération africaine de football, MOSEP, Limoua, il faut tout Algérie. Non, actuellement, nous avons moins que si nous organisons CAN, il faut que dans des pays où nous avons une infrastructure. Standards internationaux. Je me dis que est-ce que moi, il n'est pas, est-ce que nous, ils ne sont pas encore prêts
pour dire organisation bi Algérie, parce que sa parole là c'est un peu ambigu quoi. C'est pour dire simplement que le Sénégal nak war nañu gaw vraiment war nañu gaw acter sen candidature def pression aussi jema tabax ñaari stade wala ñet stade yo xamné dinañ mëna accompagner stade bi nek Diom Ndiadio pour que on puisse organiser la CAN, parce qu'on a les infrastructures, on a aujourd'hui le terre, on a le stade de Diom Ndiadio, il y a le stade de Thiès. Donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour organiser une CAN. Zone TV.